Je pense que nous ne sommes que les mêmes, qu'on soit républicain ou progressiste. L'objectif est unique, soutenir fortement les actions du chef de l'État, afin que les courageuses réformes qu'il a engagées puissent aller jusqu'au bout pour le bonheur de nos populations. Je voudrais profiter de l'occasion pour en appeler à l'union de la mouvance présidentielle. Et j'ai confiance au génie du chef de l'État qui saura concilier l'inconciliable afin que nous maximisions nos chances de réussite sur le terrain. J'en appelle fortement à l'union des progressistes et des républicains. Tant que la mouvance présidentielle sera présente quelque part, je me ferai le devoir d'être présent pour ne pas parler de l'union du bout des lèvres, mais pour montrer qu'on peut être progressiste et s'engager aux côtés des républicains, ou être républicain et fortement s'engager aux côtés des progressistes. L'essentiel, c'est que la majorité présidentielle puisse en sortir gagnante. Mon projet politique, c'est la réussite du quinquennat du chef de l'État. Mon projet politique, c'est la réalisation du projet du programme d'action du gouvernement, le PAG, dont je suis l'un des ambassadeurs. Mon projet politique, c'est le soutien à un homme de vision, M. Patrice Talon. J'ai déjà assouvi mon ambition personnelle. En tant que fils de paysan, j'ai voulu être expert comptable, je le suis. Mon ambition personnelle est complètement et largement satisfaite. Et la seule chose que j'attends aujourd'hui, apporter ma contribution à la réussite d'un programme ambitieux pour le développement de notre pays. CCJ Colline n'a pas de test de base. CCJ Colline est une association de fait. Et par conséquent, CCJ Colline ne peut pas agir parce que CCJ Colline n'a pas de personnalité morale. On ne peut pas dire aujourd'hui que CCJ Colline peut se représenter dans un bloc. CCJ Colline, c'est un regroupement de jeunes derrière les parrains que nous sommes. Si vous prenez la coordination de Savet, vous verrez que ce sont mes militants qui sont regroupés au sein de CCJ, la coordination de CCJ Savet. C'est également la même chose sur l'ensemble du département. Et l'idéal aujourd'hui, chacun ramasse ses militants et se retrouve dans le bloc de son choix. CCJ Colline n'existe pas et n'a pas d'existence juridique à ce jour.